Et on a posé la question. Ils sont beaux. Les Français ont-ils fait l'amour dans un endroit insolite? Maxime. Joker. Non, non. Maxime, dis-moi la vérité. La Vierge. Non, non, t'inquiète pas. La Vierge laisse la réfléchir pour l'instant. Hein? Alors vas-y. Un endroit insolite? Oui. Où j'ai pu faire l'amour? Oui. Sous un échafaudage. Et ne me dis pas dans mon cul. Pourtant insolite. Sous un échafaudage. Non, sans rigoler. Ah oui? C'est vrai. Mais quand c'était la nuit, le jour, parce qu'il y a des travaux quand même, tu vas te prendre une tuile sur la tête. Oui, c'était à 5h du matin, c'était non. Ah ouais? C'est bien. Fort. Et personne t'a cramé? Bah, peut-être avis aux gens qui m'ont vu. Voilà, si vous avez vu, si voilà, vous avez vu une voilà. Quéquette dansante, n'hésitez pas. Voilà, vous nous appelez. Voilà, exactement. Mode des travaux. Vous? Oui, moi je suis vierge. D'accord, très bien. Il n'y a que les garçons qui vont répondre, ouais. Eva, à toi. Dans un local à poubelle. Non. Attendez, dans un local à poubelle. Il a raison, c'est sécure. Ah donc, avec des rats, avec Annie. Y avait, si c'était à Paris, c'est sûr qu'il y avait des rats. Non, c'est vrai, dans un local à poubelle, c'était quoi, c'était il y a longtemps? Oui, ça fait un petit bout. C'est mon arrivée à Paris. Ah. Il y a 10 ans, à peu près. Non, ouais, c'est, ouais. Tu viens d'où? Il savait pas. De Montréal. Non, Montréal, j'adore la Suisse. C'est une de mes pays préférés, la neutralité, j'adore. Non mais c'est, ben, hey, bravo, et toi? Moi c'est pas trop le lieu, c'est plus qu'il y avait 5 personnes à côté et qui dormaient, donc attends. Ah qui dormaient? Parce que j'ai eu très peur. Avant, je dis, genre à côté, tu vois. Mollo l'astico, quand même, il est 18h56, ça va quand même. Non mais c'est vrai, quoi. On a fait doucement. Jordan, calme-toi. J'ai fait doucement, mais ça va. Tiens, Jordan. Moi je suis vierge. Arrête! Oh, Jordan, dis la vérité, allez, bien, Jordan. Jordan, attention! Non, c'est vrai, je suis Lyon. Ouais. Dis la. Non, mais. T'es de Lyon? Non, dis-nous, tu peux te dire. Non, je sais. Tu peux me le dire dans l'oreille. Il le répétera pas. Tu es un peu perdu? Ouais, je suis un peu perdu. Et moi, je ne sais pas du tout de quoi tu parles. Alors, je ne parle pas très bien français. Je t'explique la vérité, on a fait. Je vais pas te j'ai mentir. Pas compris la question. Je vais pas te mentir, on a fait toute la séquence que pour toi. Hein. Donc, si toi, tu nous dis non, on est mort. Tiens, toi, d'ailleurs. Ouais, est-ce que j'ai fait l'amour la dernière fois? Ouais. Non, mais non. Pas la dernière fois. Si c'est pour remonter à 1868. Oui, c'est vrai. Non, mais sans déconner, allez, vas-y. Insolite. Cabine de bateau. Non. Cabine de bateau? Pas là-dessus. Ouais. Non, j'ai rien dit. Pas là-dessus. Pas là-dessus. Direct. Moi, c'était dans un avion. Dans un avion? Ouais, c'est pas mal. Et deux lignes? Ouais. Paris-New York. Quoi, c'est pas vrai? Ouais. Ah ouais? Ouais. Et comment tu fais pour qu'on te remarque pas? Qu'est-ce qu'elle a, l'hôtel? Alors, elle connaît tout. Paris-New York, elle a entendu New York. Elle a fait, ouais, le Maelstrom Club. Elle a dit un truc qu'on a mérité à faire, on n'a rien compris. The Maelstrom Club. Qui voulait un sourire, The Maelstrom Club. Yes, c'est normal. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu voulais dire? Ça a un nom. C'est le club de ceux qui ont fait dans les avions. Ça s'appelle vous fait, le Mile High Club. Dans un avion, vous l'avez fait? Moi, j'ai mes enfants qui regardent et je les embrasse. Non, mais alors... Les enfants, allez manger une danette dans la cuisine. Hein? Maman va raconter quelque chose à tonton. Ah, c'est bon, les gars. C'est bon. Ah, mais c'est bon. C'est pas l'heure. Non, mais dis-le, je peux me le dire dans l'oreille. C'est pas ça. Non, dans un avion, non, mais par contre, j'ai rencontré quelqu'un dans un avion, ouais. mon voisin, et à la fin du trajet transatlantique, ouais. on s'est embrassé. Non, ouais, c'est romantique. Ouais. C'est pas vrai. Ouais. C'était comme un. C'est trop film romantique, ça, ouais. Il y a très longtemps. Hein, mais... Oh, trop longtemps, il y a 2 semaines. Allez, ça va, les enfants sont en train de manger leur danette. Tranquille, tu peux y aller. Non, mais je te dis, tu peux y aller. Tiens, toi, Gigi, toi. Avion, je pense que je l'ai déjà fait. Et sinon, taxi. Taxi à New York. Avec Joe. Taxi, ouais. Taxi, mais le mec, il voit. C'était avec Joe. Ah non, écoute. Excusez-moi. Non, c'est pareil, dans un taxi, mais le taxi. Mais t'as cramé, mais c'était avec le chauffeur. Taxi, comment? Non, bah non, pas du tout. Le chauffeur conduisait. Ce serait très bon avec le chauffeur. Tu opais sur ta ici, tu opais pareil pour le chauffeur. Merci. Arrêtez de secouer la bagnole. Arrêtez de secouer la bagnole, là. On s'en sort pas, là, bordel de merde. C'est bon, là. J'ai pas son tarifeux, ça va vous faire vite fait, cette connerie-là. Alors, et donc, ouais. C'est un trajet entre Sceaux et Upper East Side. Ah, oh, c'est oh, chic. Ouais. Schoen. Ça veut dire en Tunisien, fait. C'est quoi? C'est Djerba la goulette? En fait, on est allé Boulogne à Bastille. Ah, d'accord, Boulogne voilà. À Bastille. Ah, et donc, ouais, quoi? Il y avait un peu. C'était le soir, c'était assez romantique, il neigeait un petit quoi, peu. Et le gars, il n'a rien vu. Le gars n'a. Ou, enfin, en tout cas, il a fait comme s'il ne voyait pas. Quoi. Et le gars. Même l'odeur, rien.
histoire d'amour, romantique, on est jeune. Le gars a sorti son zigouni dans le taxi. Son zigouni. Bah, j'imagine, oui. Enfin, après, c'est un vieux souvenir, mais... Ça, bah, mais tu imagines comment non, ça... Toi, non. Gilles Verdez. Ah bah merde. Moi, j'avais mes habitudes à côté. Je croyais que j'avais mes... J'avais mes ragnoutes. J'avais mes ragnoutes, comme tous les mois. J'avais mes règles, j'ai... Non mais oui, alors à côté du musée du Louvre à Paris, dans le parc des Tuileries. Non, c'était avec la Vénus de Milo. Bah, pas loin. Pendant quelques mois, j'ai eu mes habitudes là-bas. C'est-à-dire quoi? Bah, c'est c'était un endroit où on venait batifoler fin des années 80, début 90. Ah, et okay. J'avais mes habitudes dans un bosquet. Ah, ça fait... Dans un bosquet. Oui, j'avais toujours le même bosquet. Il avec ce bosquet, avec tout l'engrais qu'il a mis, c'est devenu un arbre. Un séquoia de 11 mètres. J'adore. Sur la tête de la mère, j'ai l'impression d'être dans cette vieille émission rappelée ou pas la chance aux chansons. Mais oui, oui. Ah, oui. Avec les gars d'art qui attendaient pour faire du tango. Pascal Sevran revient. Bonsoir à tous. Pascal Sevran. Bonjour à tous. On est avec Frédéric Pouchard. Un Tintin. Hein, Tintin, on est bien. Ça déconne, Frédéric, ils vont danser à tout moment. Pascal Sevran. Toi. Moi, j'avais déjà fait la liste la dernière fois, mais... La liste. Ah oui, ouais. Carrément. Non, je lirais sur la terrasse d'une chambre d'hôtel. Ah oui. Sur la terrasse d'une chambre d'hôtel. C'est joli, ça. C'est pas comme ça, tout le monde l'a fait. Vous l'avez fait? Sur la terrasse. Alors moi, je veux dire, je vais pas à l'hôtel. J'ai la chance d'avoir des propriétés partout. Voilà, mollo, lastico, quoi, tu vois, c'est beau. Donc voilà, donc il n'y avait que la cime des arbres. La cime des arbres. Voilà. T'es sûr que c'était la cime des arbres? Il n'y a pas une branche bizarre à un moment? Et tu Raymond... étais comment? T'étais sur le parapet et puis l'autre il était... Non, mais... J'ai cherché à comprendre. Pour l'instant, mets-toi en off jusqu'à 19h10. Jean-Marie, jusqu'à 19h10, on te rappelle, t'inquiète pas, mais là on est dans les parages. Raymond n'est pas à l'aise sur la question. Raymond n'est pas à l'aise. Regarde depuis tout à l'heure. Alors Raymond n'est pas à l'aise parce qu'il se dit, est-ce que ma meuf regarde? Et est-ce que ma meuf va se reconnaître dans cet endroit? Ouais, c'est ça. Donc, est-ce que je donne un vrai endroit que j'ai fait avec ma meuf ou est-ce que je donne un autre endroit que j'ai fait il y a très, très longtemps? Voilà. D'accord. La semaine dernière. Voilà. Non, non, mais... Vrai endroit, moi, j'aime bien... Alors, j'ai un top 3. Salon de toilettage. Ouais. Hein, ah, quoi, salon de toilettage. Pour les animaux, dans le toilettage. Attends, mais frère, tu t'es fait séus par la suite. Mais à quel moment on se retrouve dans un salon de toilettage? Je sais pas, à mon avis, t'es dans un salon de toilettage un petit peu spécial. Rock, c'est Kiki. Non, responsable de salon, donc j'avais l'opportunité d'aller dans le salon. Ah, t'étais avec la responsable de salon? Ouais. J'adore. La responsable de salon de toilettage, en plus, elle parle toute la même façon. Il n'y a pas de mots. Elles font toutes des teutées comme ça. Quand tu rentres dans un gamin, tu veux faire toiletter ton linge et d'abord, elles sont... Ouais. Elle a quel âge? Hein? Quel pitchoun, hein? Quel pitchoun, était avec elle? Mais elle faisait meilleur... pareil avec ta quéquette? Pareil. Elle a quel âge? Elle est mignonne. Elle est mignonne. Donne la papate. Donne la papate. Et où le sucre? Ça est très gênant. Et où le sucre? Vas-y alors, vas-y. Après c'était patinoire, j'ai bien aimé, mais le mieux c'est patinoire. Patinoire, il fait froid. Le mieux c'est chocolaterie pendant Pâques. C'était chocolaterie, mieux. Chocolaterie, tu t'es cru? Les trucs chocolat belge. Non, genre, Léonidas. Ça, c'était... Ouais. Ah, je voulais pas dire, mais Léonidas. Ouais. Ça c'était bien pendant Pâques. Mais quoi? Mais qu'est-ce que c'est? À mon avis, il est avec tous les commerçants de son quartier. Mais c'est pas parce que Léonidas, c'est vraiment que tu connaisses le gars. Nos commerçants ont du talent. Et alors, il bah, c'est pas un gars, hein, que c'est une nana. Hein, qui est de chez Léonidas. Bien sûr, c'est pas un gars. C'est la fille de Léonidas. Non, c'est Sylviane. C'est une vendeuse. Sylviane Léonidas, je la connais très bien. Et alors, non, mais alors. C'était bien, je me suis bien amusé. Ah ouais? Ouais, je me suis bien amusé, j'avais des plans comme ça, patinoire. Piscine, j'ai pas t'as montré ton géant douillard. C'est les meilleurs, c'est ce que je préfère. Je sais ce que je... Ah bah il connaît bien. Je les kiffe. Et les pâtes d'amande. Alors il faut sortir d'autres chocolatiers avec qui t'es sorti. Jeff de Bruges. Il a quel également? Jeff de Bruges. C'est vrai. Et Lind. Lanvin et Lindt. Exactement. Non, c'était bien. Benaïm.
La rose de Tunis. Con, mais c'est impossible. Non, mais moi, je suis très... Chez Bébert, le roi du couscous. Non, je suis très basique. Je dirais l'arrière d'une voiture. L'arrière d'une voiture. Ouais. Oh, quand j'étais très jeune. Tu peux être à l'avant. C'est plus agréable. Moi, je peux à l'arrière. Pas à l'arrière, je vomis. Non, mais... non, voilà. Non, c'est plus à l'avant. Agréable. Revanche, vous pouvez. À l'avant, bien sûr. Ça, on... Enfin, ouais, sur les. Qui t'arrive? C'est vrai que vous. Vous êtes tout excité là. Non, pas du tout. Gégé, c'est là. On aimerait savoir vous, c'est vrai. On aimerait savoir vous. Mais moi, mais les mecs, gens regardent l'émission pour vous. Mais oui, c'est vous la star. Mais vous avez oublié cette règle d'or. Ah oui, c'est qui vrai. Anna n'a pas de zizi. Ah, toujours tendance à oublier. Oh, c'est quand même clair, bordel. Même en, 2023. Mais jamais, ni en 2023, ni en 2024, ni pour les JO. Ah oui. Voilà. Oui, mais vous pouvez avoir du désir quand même. Bah, t'inquiète pas, c'est pas pour toi. T'emmerde pas. T'emmerde pas avec ça, va. Non, c'est vrai, vous êtes un homme, quoi. Ouais, je suis un homme, mais je suis surtout votre patron. Donc, donc si vous pouvez fermer votre gueule, ça...